Bernet Terre de Talent, et on continue donc au cours de cette fête qui a lieu sur le Bourg-le-Comte, la grande fête annuelle du Bourg-le-Comte. Je suis en compagnie de Géraldine, bonjour. Bonjour. Alors Géraldine, vous êtes trésorière de l'association Crazy Roller, une association qui est très implantée sur Bernet depuis pas mal d'années je crois. Oui, c'est ça, ça fait une dizaine d'années environ que l'association est ouverte. Oui, alors ça consiste en quoi? À chausser les patins? Tout à fait. Donc en fait, on a une équipe de roller hockey. Donc on prend à partir de 4 ans les enfants. Donc on fait du roller hockey au gymnase Sébir le vendredi soir. Et on a aussi une équipe senior. Donc vous-même, vous pratiquez le roller, hein, j'imagine, depuis... Non, pas non. Du tout. Ah, non. Non, pas du tout. Non. Nous, on s'occupe de tout ce qui est préparation, mais on... Sur le côté voilà. Logistique. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez dit à partir de 4 ans, c'est quand même très oui, jeune. Oui, c'est ça. Hein, très jeune. Donc en fait, on a une section qui a ouvert il y a 3 ans de baby hockey. Et donc, on les prend, même s'ils ne savent pas patiner, on leur apprend. Et les enfants, ça va très vite. Les enfants évoluent très, très vite. Oui, hein. Tout à fait. Ils n'ont pas de blocage, hein, comme les adultes, en tout cas beaucoup moins. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et on fait aussi donc, du roller loisir le dimanche matin. Vous avez combien d'adhérents? On a 85 adhérents cette année. Ah, quand même. Donc oui. C'est. Est-ce que vous avez senti un fléchissement ou au contraire, il y a une remontée? Parce qu'il y a quand même ces deux longues années très difficiles de Covid qui ont impacté nombre d'associations. Alors tout à fait, nous on a perdu énormément d'adhérents, enfin on a perdu à peu près une vingtaine d'adhérents. L'année dernière on était à 40 adhérents, donc cette année on a doublé notre chiffre, donc c'est, pour nous c'est très bien quoi. Oui, une association qui a le vent en poupe. Exactement. Et d'ailleurs on peut venir s'entraîner sur le quartier du Bourg-le-Comte puisque le terrain s'y prête. Tout à fait, jusqu'à 17h, nous on est là pour faire des démonstrations et des initiations. Et sinon, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Là, c'est vrai qu'on arrive en fin de saison, mais le roller hockey est encore ouvert jusqu'à à peu près mi-juillet. D'accord, il n'y a pas de place limitée, hein. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu, oui. Donc, filles et garçons, tout le monde est bienvenu. Hein. Voilà. N'importe quel âge d'ailleurs. N'importe quel âge, et on a une bonne majorité de filles, effectivement. Ah d'accord, plus de filles que de garçons. Ça se vaut, mais enfin voilà, on a une bonne remontée de filles. Ouais. Est-ce que les filles sont plus assidues que les garçons? Oh, pas plus. C'est vrai, quand on goûte au roller hockey, en général, on est facilement addict et on revient facilement aux entraînements. Alors au niveau de l'équipement, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut ou est-ce que chacun doit acheter son propre équipement? Donc nous, pour des séances d'essai, on prête des rollers et des protections basiques, donc ce qu'on appelle les rollers de vélo, enfin les protections de vélo ou de rollers. Après, quand les gens s'inscrivent, ils sont obligés d'acheter leur matériel. D'accord. Il y a quand même un petit coût, celui de l'adhésion? Alors l'adhésion, oui. Nous, les forfaits d'adhésion sont assez bas parce qu'après, il y a le matériel à acheter. Donc là, cette année, on était à 65€ pour le roller hockey chez les enfants. Donc il y aura certainement une petite augmentation à la rentrée due au prix des licences, en fait, tout simplement, que la fédération nous demande. D'accord. Mais ça, c'est valable pour tous les clubs. Exactement. Légère augmentation, j'imagine. Oui. Donc Géraldine, un contact pour terminer? Oui. Alors n'hésitez pas. Donc on a des Facebook, les Lions de Bernet. Et on a mon numéro de téléphone si vous voulez me joindre, c'est 06 85 71 92 43. Merci beaucoup Géraldine, on rappelle que vous êtes trésorière de l'association Crazy Roller, une association bernéienne. Merci beaucoup.